voici ma sœur Leila. Et nous sommes les Chibi Wiz. Alors comment ça va les filles aujourd'hui? Bien. Est-ce que vous êtes en forme? Oui. Est-ce que vous êtes motivées? Oui. Et vous aussi les amis, j'espère que tout le monde va bien à la maison. Alors dites-moi les filles, qu'est-ce qu'on va faire comme vidéo aujourd'hui? On va faire, en fait, tu vas nous poser des questions. Oui. Et nous on va répondre par qui fait quoi. Donc, qui c'est... de nous deux. Qui de nous deux, bien sûr, vous connaissez le principe, je vais poser des questions, il va falloir que vous décidiez de façon objective qui de vous deux est la plus ceci ou la plus cela. Est-ce que vous êtes prêtes les filles? Oui. Et vous aussi, Louise, est-ce que vous êtes prêts à la maison? On espère. Alors c'est et parti. Et avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous et activez la petite cloche pour recevoir des notifications quand on sort une nouvelle vidéo. Et la première question les filles, c'est quelle est la plus paresseuse des deux, d'après vous? Alors Leïla, mais Leïla et Asya, mais Leïla. Alors pourquoi Leïla, est-ce que tu te mets en paresseuse? Eh ben tout le temps, c'est moi, je range jamais la chambre, je fais aucun ménage et tout et tout. Ah ben non, bon, moi t'assumes que t'es vraiment paresseuse quoi. Ouais. Et toi Asya, pourquoi est-ce que tu dis que Leïla est paresseuse? Ben parce qu'à chaque fois qu'on lui demande de faire un truc, par exemple, faire l'aspirateur, faire ranger la vaisselle, et ben elle veut pas. Ben c'est vrai qu'elle est toujours, ouais, elle met toujours à demain ce que peux faire aujourd'hui, jamais pour la chambre. À chaque fois c'est je le ferai demain et puis le lendemain ben le fais pas en fait. Hein? Ouais, c'est ça le problème. T'as jamais envie de ranger ta chambre, c'est vrai, c'est toujours à ça qui s'y colle. Ouais. Donc oui, pour dans ce coup là ouais, je veux dire que c'est tout à fait vrai, c'est Leïla qui est la plus paresseuse des deux, mais j'espère qu'elle va changer, n'est-ce pas Leïla? Peut-être. Oui, peut-être. La deuxième question, alors attention les filles, d'après vous quelle est la plus peureuse? Peureuse? Ouais. Ah bah. Quoi? Non, mais... Ah, comment dans le couloir, oui. Non, mais, pas que dans le couloir qui est tu voulais dire peureuse. Quoi? Peureuse, comment? Dans la vie de tous les jours. Hein. Ah, Asya. Ah, c'est bon. Alors, Leïla, pourquoi est-ce que tu dis Asya? Ben, parce que tout le temps, par exemple, dans le couloir, elle court et tout, parce qu'on regarde les films d'horreur et tout, tout à l'heure, elles ont plaisir. Ça va, d'accord. Oh, c'est pas vrai, là, c'est toi qui fais ça, t'as vu, elle sourit, c'est vrai. C'est vrai que Leïla, c'est une grosse peureuse. Hein. Quand on est sur le canapé, eh ben, elle, quand on regarde un film d'horreur et que même un film normal et qu'on éteint toutes les lumières, elle veut pas se mettre sur le bout. Elle a trop peur. Elle veut toujours se mettre au milieu, c'est vrai. À chaque fois, elle a besoin d'avoir du monde autour d'elle, quoi. Elle peut pas être à l'extrémité du canapé. Et en plus, elle, à chaque fois, quand il y a des films d'horreur, elle se cache les yeux. Et comme dans le film d'horreur, du coup, ça fait peur un peu longtemps, à force de fermer trop ses yeux, elle s'endort devant lui. Non, oui, voilà. Donc, en fait, on regarde jamais le film. Leïla, est-ce que tu valides alors? Oui. Non, mais t'as écrit Asya, hein? Toi, pourquoi est-ce non, que c'est Asya la plus peureuse? Parce que toi, Asya, pendant dans le couloir, par exemple, elle court, qu'elle voit des ombres. Non, moi, en fait, je vois des trucs dans la chambre de maman. Ah, t'es la seule à voir des trucs dans ma chambre, moi, je te le dis. Des trucs dans ta chambre, j'ai peur. Non, mais tant mieux que t'es à moi, tu rentreras jamais dans ma chambre, ça m'arrange. Hein. Ouais. Et là, même que la lumière soit allumée, la lumière de toute la maison, elle va tout. Non, mais elle crée des peurs en fait. Même quand il n'y a rien, elle crie parce que justement il n'y a rien. Une fois, je me brossais les dents et maman n'était pas assez, j'ai crié. Ouais, voilà, elle pleure même en plein jour, lumière allumée, elle crie. Bon, on ne sait pas pourquoi en fait. Alors, la prochaine question, c'est quelle est la plus généreuse des deux? Non, mais attends, tu veux l'inciter à mettre Leïla, ça veut dire quoi ça? Non, moi je suis trop généreuse. Bah, ça c'est vrai. Alors Asya, pourquoi est-ce que tu as mis Leïla et pas toi-même? Bah, parce que moi je suis pas généreuse. Attends, t'es pas généreuse? Bah, si quand même. Si, mais Leïla est plus que moi. Ah, tu l'assumes quand même. C'est vrai qu'elle, de toutes les deux, c'est vraiment la plus généreuse, c'est Leïla. Elle a tendance à partager, à donner, même si des fois elle est pas trop contente, mais bon. Je sais pas si c'est le fait qu'elle soit la plus petite, peut-être, mais. C'est vrai que c'est la plus généreuse. Et Leïla, bien sûr, toi, tu sais que tu es généreuse alors, du coup. Oui. Ah ouais. Et pourquoi est-ce que tu es généreuse? Comment tu fais pour être aussi généreuse? Dis-nous ton secret. Le tuto de Leïla. Allez. Et tu de la générosité selon Leïla. Alors. Mais je sais pas. Tu sais pas? Tu veux garder ton secret pour toi, c'est ça? Non, en fait, tu prêtes des choses et quand elles sont. En fait, si par exemple, elle est dégoûtée, par exemple, elle voulait avoir le même truc que toi. Tu dis, bah, si tu veux, par exemple, tu m'échanges. Oui, mais toi, t'as tendance à échanger, mais Asya, des fois, elle veut pas trop échanger. Des fois, oui, des fois, non. C'est oui, mais des fois, moi, en fait, tu t'échanges pour la faire plaisir. Voilà, mais je le vois, tu lui fais plaisir, même si ça te dégoûte un petit peu, là, t'es un peu énervée, mais. Aussi, je te fais plaisir aussi. Non, mais c'est surtout, c'est vrai, vous êtes généreuse, mais c'est surtout Leïla. Vraiment, de toutes les trois, là, même de la grande, c'est plutôt Leïla. Donc, ça, pour ça, Leïla, j'espère que tu ne changeras pas. La générosité, c'est un magnifique. Une magnifique qualité du fou. Donc il faut que tu la gardes. Ouais, une qualité.
C'est une qualité qu'il faut garder. Voilà. Ensuite, la prochaine question. Quelle est la plus stylée? Alors, quand je dis la plus stylée, ça ne veut pas dire chacun son style. De toute façon, il n'y a pas un style plus parfait que l'autre. Mais quelle est celle qui a tendance à toujours se changer à la dernière minute et pas savoir ce qu'elle veut mettre pour l'école, pour sortir, bref, voilà. J'ai pas compris. Une personne qui quelle est la plus minute, tu vas te changer vite parce que tu dis, oh, le pantalon, en fait, ça va pas avec ce t-shirt. Donc, Asya dit Leïla, dit Asya, Asya, chacune des deux, voilà. Moi, je dirais après, plus comme ça, celle qui a tendance à mettre 2 heures pour choisir sa tenue, quelle que soit l'activité ou la sortie ou pour aller à l'école, c'est Asya. Oui, voilà, c'est le genre de personne qui se change 30 secondes avant, quand au moment où on doit partir, allez, go, on y va, et bien, elle va te dire, ah non, attends, je vais changer mon pull, je vais changer mes chaussures, je vais changer mon pantalon. Non, mais c'est vrai ou pas? Non, mais bien, c'est quoi, elle dit, ah non, mais j'ai arrêté ou pas avec ma tenue. Non, mais c'est ça, non, mais franchement, les chaussettes, on les voit même pas, et elle a besoin de savoir dans sa tête qu'elle a des chaussettes roses ou bleues ou grises qui vont avec son pantalon ou son pull, mais il y a que elle qui le voit, quoi. Mais parce que je sais pas, le pire c'est que tous les jours après à l'école je m'habille pareil. Elle a pris. Non, mais après tu aimes bien changer de tenue, mais pourquoi est-ce que tu te changes 5 minutes avant de quand, au moment où on dit on y va? Parce que mais du coup tu mets tout le monde en retard. Bah en fait je dis ça passe, mais après quand je me regarde dans le miroir, je me dis mais c'est moche. Non, oui, et, et en fait c'est bizarre, je veux pas quand. Et tu peux pas regarder dans le miroir et décider c'est une demi-heure avant qu'on s'en aille, quoi. Bah au début je peux dire que c'est beau et après dire que c'est moche. Oui, d'accord, donc change d'avis comme de chemise. Et Leïla, toi, t'es d'accord avec moi pour dire que c'est vraiment oui, elle? Ouais, tout le temps. Mais toi aussi, des fois, remarque, tu mets, parce que tu commences à prendre un peu sa façon de faire et te changer à 30. C'est elle commence à déteindre sur toi un peu, donc j'espère que ça va s'arrêter parce qu'en grandissant. Ensuite, quelle est la plus tricheuse des deux? Alors, quand je dis la plus tricheuse, c'est pareil, c'est dans la vie de tous les jours, c'est à l'école, c'est partout en fait. Tricheuse de plein de façons différentes. Alors, Asya dit Leïla, Leïla dit Asya, vous pouvez mettre les deux si vous pensez que vous êtes toutes les deux. Ou ouais, c'est... les deux. Mystère. Non, moi je dirais que oui, vous, toutes les deux, vous êtes des grandes tricheuses. Parce que ce matin, on va dire si c'est passé ce matin ou pas. Ce matin, j'ai voulu écrire des mots. J'ai pris la trousse de Leïla, je crois, c'était ça, hein? Et j'ai commencé à écrire avec le crayon à papier, je crois que j'avais un rendez-vous à noter. Et d'un seul coup, je me rends compte de ce qu'il y avait écrit sur le crayon. Et là, j'ai été choquée. Choquée. Je ne sais pas si vous connaissez ce crayon, mais moi, c'est la première fois que je le vois. D'ailleurs, j'aurais bien aimé qu'il existe à l'époque où j'étais encore à l'école, hein? Est-ce que j'ai le droit de le montrer d'abord? Voilà le crayon sur lequel je suis tombée ce matin. Voilà, je ne sais pas si on le voit bien, mais je vais le reculer. Table de multiplication. Non, mais c'est ça. Il y a toutes les tables de multiplication dessus en fait. Mais on le voit mal là, malheureusement. Voilà, là on le voit bien. Vous avez vu? Il y a toutes les tables de multiplication pour tricher. En fait, on écrit et personne n'y voit que du feu en fait. Tout le monde y voit que du feu du moins. Hein? Ouais. Donc on est là, t'as les tables de multiplication, tu fais un contrôle de maths, c'est pas grave. T'as toutes les réponses, tu fais un contrôle de multiplication. Oh, mais c'est un truc de fou ça. Ah, mais moi, qui a eu ce crayon? Moi je ne vous ai pas acheté ça en tout cas. Non. Et ça s'achète tout d'ailleurs, parce que franchement, je l'ai pas vu. C'est un truc de dingue. Donc bravo quoi. Moi l'année dernière, j'ai galéré à apprendre mes tables pendant que toi t'avais crié. Non, mais attends, c'est pas bien de tricher. Il faut apprendre les tables de multiplication là. Non. Je dis pas que c'est bien, hein. Ah bah apprends-les les gars. Mais d'où tu me sors ce crayon, toi? Hein? Ah moi je sais. Uh-huh. Elle veut pas me dire parce que non, mais sérieux, j'ai été choquée. Oui. Je regardais, je voyais les tables. Au début, je croyais que vous avez collé quelque chose en fait. Je pensais que vous avez collé vous-même. Et je me suis dit, pourquoi elles ont fait ça? Et après, je regardais mieux, mais je dis, mais non, mais en fait, il y a vraiment des tables de multiplication sur le crayon, quoi. Ben là, c'est dommage parce que c'est avec le flou, on le voit pas, mais. Mais c'est une personne de la classe avec là qui lui a donné. Mais ça, c'est pas bien. Vous savez que si vous trichez, après, vous apprendrez jamais les tables de multiplication. Non, mais les tables, on les connaît, mais des fois, on a des oublis. Ben voyons, mais alors aujourd'hui, ça sera les tables, puis demain, ça sera vous allez écrire les verbes particuliers sur le crayon, et puis ça va être quoi après? Hein? Il faut étudier, il faut travailler, il faut pas tricher, c'est pas très bien. Donc ça pour moi, allez, maintenant que j'ai vu le crayon, je veux dire que c'est Leïla, hein. Et ce crayon, je veux le garder pour moi, tiens. Non. Eh ben si, hein, c'est dans le cerveau qu'il faut que ça soit noté. Hein, pas sur le crayon, hein. Et Asya, donc du coup, j'ai pas vu la réponse, je me rappelle plus qui avait mis quoi. Moi j'ai mis Asya au début. Toi tu te penses que t'es une grande tricheuse aussi? Pas une grande, mais des fois... Ouais, oui, bah, ça dépend où, si c'est à l'école, moi, c'est pas non, très bon. Non, moi c'est plus à la maison. Ah oui, comme quoi? Dis-moi. Quand on achète par exemple des nouveaux jeans, oui. Par exemple, et que, mais vu que je suis pratiquement la même taille que Leïla, du coup des fois on se prend un peu les mêmes habits quoi. Ouais. Et du coup, ben, moi je suis obligée, je les cache à un endroit. Parce qu'elle a ses robes en plus des jeans, moi j'ai que les jeans. Non, alors ça c'est vraiment méchant, tu vois.
Là, on voit que tu es pas généreuse, justement. Hein? Leïla, elle dit rien, elle est juste choquée, en fait. Elle subit ce que tu viens de dire, là. Hein? Et du coup, elle, après, les t-shirts qu'elle a fait, ben, elle les cache aussi. Oh là là, en plus, vous faites quasiment la même taille. Profitez, ça vous fait un double de style. Chacune a son style, chacune achète ses propres vêtements. Vous pouvez vous les prêter, vous les donner. Ben, c'est super, ça. Ça devrait être bien. Sauf que moi, mes jeans, vu que je suis un peu plus grande que Leïla, ils sont un peu... Oh là là, genre de 2 cm et encore. Court. Oh là là, qu'est-ce que c'est compliqué. Je me cacherai. Alors, pour la dernière question, qui est la plus travailleuse des deux? Alors, quand je dis travailleuse, c'est dans la vie de tous les jours, bien sûr. Alors, Leïla dit, Leïla, c'est moi. Travailleuse pour tout, hein, et volontaire. Hein. Oui, oui, c'est moi. Moi, j'ai la réponse, mais je veux voir. Leïla, pourquoi est-ce que tu penses être la plus travailleuse? Je travaille tout le temps. Genre. Je m'ennuie, je travaille. C'est celle qui disait il y a 30 secondes qu'elle était paresseuse. Mais bon, t'es paresseuse, mais tu travailles, toi. Oui, ouais, elle est paresseuse. En fait, moi, je suis paresseuse parce que quand j'ai pas envie de le faire, c'est pour que je révise. Ah, genre, oui, bien sûr. Ah, c'est pas vrai. Je crée un papier. Mon Dieu. Et toi, Sia? Bah, moi déjà, j'ai des lunettes pour moi dans mon casier. Oui, d'accord, bon. Bah, moi, j'aime bien être. Comment dire? Par exemple, je vais être déléguée, je fais du travail en plus. Oui, t'es volontaire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, oui. Oui, t'en as pas besoin de te répéter 50 fois de faire tes devoirs, par exemple, quand t'as le soir. N'est-ce pas, Leïla, par contre, c'est une autre histoire, quoi. Sinon, attends, d'abord, je vais goûter. Moi, j'ai envie de travailler, mais j'aime pas comment ça, elle me corrige. Ah ben oui, mais c'est... Maman. Il faut vérifier, quand même. Mais j'aime pas quand c'est toi qui me corrige, je préfère ses mamans. Non, mais c'est bien qu'elle te corrige, parce que non seulement elle te corrige, mais en plus, même elle, ça l'aide aussi à réviser des choses qu'elle a. Ben oui, ben, un CM2, elle est en CM1. Donc tu revois un peu les bases que tu avais fait l'an dernier et au moins vous travaillez sans t'en rendre compte en fait. Ouais. N'est-ce pas? T'as la chance d'avoir une grande sœur qui est avec toi qui te corrige, c'est super ça, non? Non. J'en ai marre d'être la petite sœur. Non, ben c'est super d'être la petite sœur. Bah moi je suis la petite sœur et la grande sœur. Donc toi t'es au milieu donc, il y a la grande, toi t'es au milieu donc ça va, t'as le bon rôle. Hein. Bon, on va dire que moi pour moi, celle qui travaille et qui n'a pas besoin de lui répéter 50 fois, non Leïla, même pas en rêve. Hein. C'est Asia. Leïla, on a besoin de... Non, mais c'est pas vrai. Arrêtez, n'entends pas à l'école, on parle à la maison. Ouais, c'est pas vrai. Moi, non, mais à vous. Elle fait rien pendant le confinement, c'est moi qui avais tout fait. Non, mais pourquoi tu me parles du confinement? Aucun rapport là. Mais non, parce que moi, quand je travaille, je les fais vite. Alors, mais non, mais... Oui, elle les fait vite, c'est moi. Oui. Je fais tout mon temps. Ouais, tout ton temps, mais on a besoin. Voilà. Toi, le matin, le soir, quand t'arrives, on a besoin de te répéter 50 fois. Est-ce que t'as fait tes devoirs? Oui, est-ce que tu as fait tes devoirs? Ouais. Attends, je dois aller goûter. Attends, je vais goûter. Attends, je vais me changer. Attends, je vais me laver. Attends, je vais rêver. Après, tu le fais, c'est pas d'heure, quoi. Hein? Alors que Asia, elle arrive, elle goûte. Et puis hop, elle est fait. Mais elle a raison, comme ça, tu le fais, tu te débarrasses. En plus, je suis la moitié. Et ben, moi, et puis moi. Moi, je goûte en même temps que je fais mes devoirs. Oh, ouais, d'abord, toi, t'aimes bien manger et faire les devoirs. Même Leïla, des fois, elle me dit: ah, Asia, tu fais pas tes devoirs, on dirait jamais je te vois les faire parce que moi, je fais la moitié en classe. Ouais, voilà, tu vois. Oulala. Quand tu rentres à l'école, je regarde ton téléphone parce que j'ai fini mes devoirs. Ah oui, le téléphone, pas pendant la semaine et pas avant faire les avant avoir fait les devoirs. Pas le droit. Ça, vous êtes trop petite pour ça. Non, ça, t'as pas le droit. T'as pas le droit au téléphone. Oui, les mais. Bon, la dernière question, attention les filles. Alors là, pareil, ça c'est l'une, ça c'est l'autre, ça c'est les deux. Quelle est la plus gourmande des deux? Ça, je saurais pas dire. Hein. Moi, je saurais dire. Moi, pour moi, vous pouvez mettre les deux, hein, parce que. Ah oui, non, mais. Alors, ça dépend vraiment par rapport au sucre. Après, ouais. Celle qui mange énormément de sucre. Ah! Le sucre, la gourmandise, ouais, c'est Asia. Ouais, ah, alors oui, Asia, il faut la trop de coca. Asia, pour les chocolats, pour les gâteaux, c'est la première, mais pour les légumes et les choux de Bruxelles et compagnie, il y a plus personne. Ah non, hein. Mais c'est par contre. Elle déteste les légumes, il faut la forcer pendant une heure pour qu'elle termine son assiette. Alors par contre pour le sucre, alors là, en 30 secondes le paquet est fini. Moi, non, c'est vrai ou pas? J'essaie d'avoir une canette de coca tous les soirs. Ouais, et est-ce que c'est bon de boire du coca tous les soirs et tous non, les jours? Non, parce qu'il y a de la caféine dedans. Non, ce n'est pas bon. Et même, c'est pas très bon pour toi. Vaut mieux que boire de l'eau, boire de temps en temps. Lipton a un peu du coca. Bah, Lipton aussi, c'est des boissons sucrées quand même. Hein. C'est du thé. Non, du thé. Sucré. Ah oui, donc moi je dirais vraiment les deux, mais un petit peu plus, allez, pas ex aequo vraiment, parce que Asia, tu dépasses quand même de longue, parce que toi c'est tous les jours, à toutes les heures, voilà. Oh, quand même, moi je me dis, moi, mais en fait Asia, elle mange, elle est gourmande, mais en fait,
elle est pas gourmande de chocolat. Pour moi, j'aurais gourmande de gazeux. Gourmande de gazeux, alors là, t'as rien fait. Elle est gourmande de boissons gazeuses. En fait, moi, je prends une ou deux canettes par jour, t'imagines? Non, non, mais là, là, jamais de la vie. Là, tu rêves. Je te l'ai jamais laissé boire plus de deux canettes par jour. Déjà une, et encore, tu bois la moitié. Alors, avant, tu fais derrière mon dos, mais ça, ça va bien. Comme ça, moi, j'en prendrai pas du tout. Mais, ah non. Jamais, jamais. Il faut boire de l'eau à votre âge en plus. Donc, bah, tiens, parlons de ça. C'était pas prévu, mais on va faire une dernière question. Quelle est la plus sportive des deux, du coup? Hein? Asia, Asia et Leïla, qu'est-ce que tu dirais, toi? Oui, ben là, bon, on rejoint un peu la paresse et tout le tralala, hein, n'est-ce pas, Asia? Hein, Leïla? Oui, non, celle qui a tendance à aimer les sports un peu extrêmes et un peu se surpasser et toujours bouger, ben forcément, quand on mange beaucoup de sucre, on est beaucoup excité, ben c'est Asia, hein? C'est toujours toi qui aime bien tester les nouveaux trucs que tu peux voir. En qui fait, aime bien, elle aimerait faire 20 sports par jour. Voilà. Ouais, elle est toujours, ouais, c'est sûr qu'elle est toujours, toujours présente, imagine. Toujours. Non mais t'adores ça, c'est vrai ou pas? Oui. T'adores les sports extrêmes. D'ailleurs, quel est ton sport préféré? C'est quoi le sport que vous aimeriez pratiquer une fois qu'on le pourra d'ailleurs? Parce que là. Le roller. T'as le roller? En salle, je sais plus le comment ça s'appelle. Le roller ou. J'ai envie de recontinuer la gym en fait. Ah bah oui, bah t'es d'accord. Oui, moi j'ai trois sports que je sais pas les. Ou sinon l'escrime en vrai. En à l'école je l'avais commencé à faire. Mais non, moi j'ai deux sports que je voudrais faire. Ah bah c'est soit bon. Soit l'athlétisme. Oui. Ou soit la piscine comme l'année dernière parce que j'aime trop nager. Ah ouais, la piscine, c'est vrai que c'est super, ça peut bouger tous les muscles, c'est génial. Moi j'aime pas parce qu'après t'as le chlore tout le temps, tu dois te laver. Oh là là, la paresseuse. Oh là là. Et voilà les chippies, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre plein de gros pouces bleus et à liker au maximum. Et surtout les amis, abonnez-vous. On se retrouve très 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 bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous bisous.